Godzilla est dans le monde de Diabolo et sa famille. Dans cet épisode, Diabolo va tout faire pour trouver Godzilla. Non, non, j'atterris pas là, je passe sous le pont. Non mais on n'est pas dans un jeu de cascade, on n'est pas sur GTA. Mais tout d'abord en voyageant dans les airs, puis ensuite en voyageant sous l'eau. Booba a vu Godzilla. C'est vrai Booba, tu as vu Godzilla? Oui, oui, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Mais tu l'as vu où? Mais je l'ai vu dans les montagnes il n'y a pas si longtemps. Waouh, ok, moi ouais, je veux absolument le voir. C'est le nouveau Godzilla, celui de 2024. Oui, il fait trop peur. Oui, vraiment, il est effrayant. En gros, au lieu d'être bleu dans le dos avec les écailles bleues, apparemment il a des écailles violettes. Waouh, c'est trop stylé. Bon, et qui est chaud pour trouver Godzilla avec moi? Moi. Ouais, mais bon, pas trop quoi, c'est quand même Godzilla. Carla, j'ai besoin de toi tout le temps dans mes voyages aussi. Mais on va tout le temps dans la montagne. Non mais là on va pas à la montagne. Là on va juste survoler parce que c'est pas sûr du tout qu'il soit à la montagne. Non. En vrai je pense qu'il y a moyen. Si on y va en voiture, je suis partant. Ok, bah écoute, de toute façon là c'est moi qui conduis. Je vais vous expliquer quelque chose. En gros, on va survoler l'entièreté de la map parce que si Godzilla était aperçu dans la montagne, il y est sans doute plus. Il se déplace très rapidement, mais il doit être quelque part dans notre monde, sur l'île. Et pour le trouver sur l'île, eh bien il va falloir la quadriller. Il va falloir la quadriller avec une vue aérienne. Du coup, bah les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on n'a pas d'avion, on n'a pas d'hélicoptère. Il va falloir aller en chercher un, quoi. Donc, si, voilà, si vous êtes partant, il va falloir qu'on aille à l'aéroport, qu'on vole un avion ou un hélicoptère et qu'on survole la map. Voilà, est-ce que vous êtes chaud? Oui, moi je suis chaud de ouf. Okay. En plus, moi tu sais que je suis un très fin conducteur d'hélicoptère. Ouais, on verra ça. Bon, en tout cas, on va sortir, on va choper des voitures et on va aller se rendre à l'aéroport voler, du coup. Voler du coup ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est possible qu'en vrai Godzilla ne soit même pas sur l'île et qu'il soit sous l'eau. Mais ça, on le verra dans une deuxième partie. Parce que c'est possible que Godzilla il soit dans la zone de plongée par là-bas. On ira la voir. Et à mon avis, si on fait de la plongée avec Godzilla, ça risque d'être sympa. What? Mais attendez, mais. Pourquoi est-ce qu'il y a ça là? Qu'est-ce que ça fait ici? Mais attends, mais c'est énorme. Mais je vais le prendre. Attends, what? Pourquoi? J'ai pas les clés? Booba est monté à bord. Bon, moi je vais monter. Est-ce que je peux monter à l'intérieur? Non, oula, 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 attendez. Oh! Attention, attention, attention. Aïe! Oh non! C'est quoi ce délire? Ok, je vais monter avec toi, Carla, c'est bon. Je monte avec toi, c'est décidé. Allez, c'est parti. Je pense que ce sera le plus safe. Vas-y, on va où? C'est bon, je monte à bord. Let's go! Bon, Carla, j'espère que tu conduis bien. Allez, let's go, c'est parti. Vas-y, on y va! Ok, on laisse tout le monde passer. Allez. Mais attendez, mais on est un convoi ou quoi? Il y a combien de voitures? Waouh! L'ambulance! Oh, j'ai cru qu'elle allait tomber dans le ravin. Mais non! Du coup, on se rend. Alors, je vais te mettre l'itinéraire. On se rend ici. Voilà, c'est bon. Est-ce que t'as l'itinéraire? C'est bon? Bah oui, mais c'est l'autre côté. Ouais, je crois qu'on est dans le bon sens. Ah, c'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais... Ouais, je sais pas où c'est. Y'a qui est à bord de. Y'a qui est avec toi, Booba? Oh, ça va, y'a personne. Y a personne! J'ai peur parce que je me suis dit, s'il y a un membre de la famille. Aïe! Non mais. Carla! Non mais. Pire. La voiture! Mais non mais y'a plus de capot! Y'a plus de capot! Non mais c'est quoi cette conduite? Mais c'est pas possible! T'as eu ton. Mais non mais. Attends, mais y'a déjà la police qui nous a repérés? Ah non, c'est. Non, c'est moi! C'est la sirène de Booba! Ok, bon, du coup, le premier arrivé à l'aéroport a gagné! Let's go! Mais c'est pas là l'aéroport! Bah si, genre nous on est parti en tout cas vers. On est sur l'aéroport! C'est nous! Je sais pas vers où vous allez, mais en tout cas nous on se dirige! Bah, moi je suis Booba, hein. c'est lui qui guide! Bon, Carla, il faut qu'on soit les premiers! J'espère tellement qu'on va voir Godzilla! Non mais tu roules tellement vite! Oh, on va voir un giga accident! J'ai pas mis ma ceinture! J'ai pas mis ma ceinture! Oh! What? Non mais Carla! Mais t'es senti un mal! J'ai le cœur qui bat à 200 là! Oh, j'essaie de vous parler de Godzilla, les abonnés, mais attendez, on va tellement vite! C'est quoi ce délire? Oh! Ok! Oh! Non! Vas-y, on y va! Oh! T'as repris le véhicule! Oh, ça va, ça va, ça va, ça va! Okay. Vraiment, Booba, ton véhicule, il a volé! Ok! Bon. Ok, ça va, on est connecté avec tout le monde, on est en appel là, on a un appel WhatsApp famille. On a un appel Discord. On est avec le WhatsApp famille, on est avec le WhatsApp de la famille, on est tous en appel. Du coup, let's go, on va se rendre à l'aéroport, on va voler un hélicoptère ou un avion, on va survoler la map à la recherche de Godzilla. Alors, si Godzilla est pas sous l'eau, on va le voir directement. Et le but c'est de voir un petit peu à quoi ressemble Godzilla, le voir quand il attaque, etc. Ça va être exceptionnel. Hey, on est arrivé à une vitesse à l'aéroport, c'est incroyable hein. Ah, ça a pas traîné hein. Hey, Carla, content d'être monté ici hein. Ah vraiment, Carla, tu me surprends. La dernière fois que je suis monté avec toi, c'était pas aussi bien la conduite là, tu t'es amélioré hein. Oh, c'est pas attends, là, c'est pas là. Carla. Non, regarde, il faut passer par la route là à gauche. Oula, je connais plus ma droite et ma gauche. Oh mais wow, mais c'est quoi ce dérapage incroyable? Juste avant
voiture. Juste avant la voiture, le demi-tour, incroyable. Ok, mais c'est fou ce que t'arrives à faire là avec la voiture. Eh, tu vas faire quelque chose. Je pense que. En tout cas, je vous préviens, la famille, nous on est déjà à l'aéroport. Du coup, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, nous on y est déjà. T'as fait le tour. C'est bon, ouais, il m'a ralenti avec son gros bidon là. Continue, ouais. Regarde, tourne à gauche, hop, c'est bon, hop, voilà, juste là, regarde, continue. En gros, juste à droite, là, tout au fond, et ben il y a un endroit pour rentrer dans l'aéroport, tu vas voir. Voilà, tu vois, il y a une petite rampe, on va l'utiliser, tu la vois ou pas? Regarde dans le conteneur. La petite rampe? Dans le conteneur vert. Ah, ok. Ouais, en gros, il va falloir que tu prennes de l'élan, et on va passer avec ça, on va rentrer dans l'aéroport, c'est un peu illégal, mais bon, on va faire comme ça. Ok, et là, du coup, on va pouvoir choper notre hélicoptère, notre avion, c'est bon. Ok, vas-y, fais demi-tour. Ouais, attends, fais demi-tour ici, je pense. Et là, va pas falloir te louper, hein, Carla. Parce que c'est petit, hein. Regarde, c'est petit. Alors, oh. Mais non. Aïe. Mais c'est pas possible. Non, ma voiture. Ah, j'ai mal au cervical un peu là. J'ai mal au cervical. Ok, on fait demi-tour, on va réussir à le faire. On recommence. On va recommencer. J'ai un peu mal au cervical là. Le choc a été violent. Je vous ai pas vu. Ouais, d'accord, ouais, espèce de mytho. T'as essayé de nous percuter. Allez, c'est bon, let's go. On va trouver Godzilla. Toyota. On va trouver Godzilla. Vraiment, je vous promets qu'on va trouver Godzilla dans cette vidéo. Ça va être exceptionnel. Ok. Est-ce que ça va passer? Mais vous êtes là-haut. Vous êtes là-haut, c'est moi. Ah non. Parfaitement pris. Let's go. Ok, maintenant. Bah, faut trouver un avion. Faut trouver un petit avion. Là, il y a des hangars. Non, celui-là, il est un petit peu gros. J'ai pas. Oui, mais on est nombreux. J'ai pas le permis poids lourd comme ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on est nombreux, mais il en faudrait un plus petit. Y en a pas des plus petits? Attends, je vais descendre. Hop, je descends. Ok, maintenant, il faut que je trouve un petit avion. Est-ce qu'il y en a là-bas? Je sais pas. Il me faudrait. Faut aller regarder là-bas. Y a un petit véhicule. Attends, ça, c'est un petit véhicule. Non, c'est. Attends, est-ce que je peux contrôler ça? Y en a. Je pense pas que je puisse contrôler ça. Y en a. Ouais, non, je pense pas. Attends. Vraiment, je vais monter à bord. Est-ce que je peux contrôler ça? Non, je peux pas. Y a pas les clés. Y'a un petit avion, vous avez trouvé un petit avion? Ah mais oui, y'a des avions ici. Ah oui, y'a des avions. Alors c'est des gros avions de ligne encore une fois. Je sais pas comment on va faire. Là-bas y'a des hangars, je sais que dans les hangars y'a des... Mais dans les hangars y'a des plus petits avions. Où est-ce qu'elle est, Carla? Carla, viens me rejoindre. Attends, y'a un hélico qui se pose. Attends, quoi? Monte. Y'a un hélico qui se pose. Oui. Où ça? Oh, y'a un hélico là. Attends, là-bas. Eh, y'a plusieurs hélicoptères. Je sais pas où je suis. Ok, attends, je monte. Vas-y, je monte. Attends, logiquement, là-bas, il y a un avion. Vas-y. Regarde, on le voit de là. Ah, mais dis-moi. Ouais, c'est bon, je le vois dans le hangar. Je vous avais dit qu'il y avait des petites jets dans les hangars. Oh, let's go. Ok, du coup, avec cet avion-là, on va survoler là-bas. À la recherche de Godzilla. Ah, ouais, mais il y a tellement de choses. Waouh, venez ici. On a tous de quoi faire. Oh là là. Alors, toute la famille va pouvoir faire le décollage. Dis-moi ce que tu veux. Un hélico luxueux. Attends, on fait une petite ellipse le temps que toute la famille arrive. On est 5 et il y a 2 avions, 2 hélicoptères. En vrai, c'est suffisant largement. Quoi? Ah, tu veux de mauvaises nouvelles? Bah, dis-moi. Ils sont tous fermés à clé. Quoi? Non. Mais c'est pas possible. Attends, parce que je crois qu'en arrivant tout à l'heure. Ah, oui, viens là. Oui. Oh. Oh là là. Oh wow. Avec les missiles. Attends mais on a des missiles. Mais ça c'est de l'armée ça. Attends, on peut monter à plusieurs là-dedans. À 4. Ok, incroyable. Et toi, mais c'est quoi ce petit truc que t'as? Attends, n'importe quoi. Je monte à l'arrière. Montez à bord. Allez-y, montez, moi je monte dans le petit truc caca derrière. Hé, hey, Carla, t'as trop la classe, hein. Genre vraiment, c'est incroyable. Ah ouais, attendez, on est une étoile. Dépêche-toi, monte. Oh là, wow. Ah ouais. Ah oui d'accord. Attends mais ok. J'ai un peu de mal à voler. Je commençais à tirer alors que j'ai une étoile. Ok, c'est bon. Ok, on a volé l'hélicoptère. Par contre ça va, on a qu'une seule étoile. Du coup en vrai normalement il y a pas l'armée qui va venir nous poursuivre avec Oula. J'ai du mal un petit peu à contrôler cet hélicoptère. Mais là c'est l'air d'aller. Ok. Je suis pas rassuré hein. Ok, c'est bon. Wouh. C'est un peu les montagnes russes cet hélicoptère. Du coup on va survoler un petit peu plus haut peut-être. Voilà. Ok. Là c'est bon, vous me faites confiance ou pas? Ok, let's go. Non. Toujours pas. Non, moi je vois derrière hein. Je vois ton hélicoptère, il fait des zigzags comme ça. Ça va, en vrai ça va. On dirait mamie quand elle conduit. Ah, attendez, je vais monter, je prends peut-être un peu plus de hauteur. Et là, c'est bon. Mais ça commence, on doit trouver Godzilla. Oh, wow. Bon, du coup, on doit trouver Godzilla. Ça veut dire que là, vous avez vu, c'est magnifique. On a une très belle vue, mais là, il faut trouver Godzilla. Et d'ailleurs, vous aussi, les abonnés, vous pouvez participer à cette recherche. Il suffit de me dire si vous avez vu Godzilla à un moment donné dans cette vidéo. Parce que là, il peut être présent absolument partout. Voilà, du coup, c'est bon. Là, on a une très belle vue de la montagne, etc. Et là, faut qu'on trouve Godzilla. Est-ce que vous le voyez en ville? Personnellement, je vois rien du tout. Il est derrière. C'est quoi là-bas? C'est un lac avec un barrage? Oh. Godzilla est derrière. On va aller voir. Il y a Godzilla?
Ouais, derrière. Mais tu trolls, y'a pas Godzilla du tout. Et du coup, je peux tirer? Oh waouh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais tire pas, y'a des civils. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, ça va, je tire en l'air. Ça va, je tire en l'air. Du coup, là, y a un lac avec un barrage. Ok. Vas-y, on saute, on saute. Non, non, personne ne saute. Vous restez bien tous à bord. Et là, vous trouvez Godzilla. Godzilla, il pourrait être planqué, vous pensez, ici ou pas? Je sais pas. Ah, moi, je pense qu'il est à la maison de retraite. À la maison de retraite, Godzilla? Pourquoi est-ce qu'il serait à la maison de retraite? Pour manger des tuyaux. Il s'est quand il l'a vu, hein. Oh, wow. Alors. Ouais, le barrage. Ouais, il y a le barrage et tout. Ok, ici, il y a une belle zone, mais. Imagine le barrage qui pète. Ah, pourquoi est-ce qu'il pèterait? Parce qu'on est dans un film catastrophe. Ouais, non, 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 t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Là, c'est vrai que Godzilla, pour l'instant, il s'est pas trop révélé au monde entier, mais si tu l'as vraiment vu, ça risque d'être chaud pour la ville dans les prochains jours, hein. Oh, regardez, on voit le mont Chiliad. On voit le mont Chiliad tout en haut. Mais s'il était au mont Chiliad, je pense qu'on le verrait d'ici en vrai. Parce que là, on le voit pas. Oh, là-bas, attendez, il y a un énorme truc là-bas. C'est quoi? C'est une statue? Regardez, vous voyez? Je sais pas, c'est. Oui, oui, c'est énorme. Hein. C'est là, c'est une énorme statue. On va aller voir. Où ça? Bah, là-bas, en regarde, face. En face, en face, ah, il y a. Je vais prendre un peu de hauteur. Quelque chose de grand. Et de... Ah, mais c'est la tour. Il nous a suivi, Jason? De loin. Mais. Oh, attendez, mais on a un problème d'essence là. Mais. Sautez, sautez! Non, 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 personne ne saute. On a encore un petit peu d'essence, vous inquiétez pas, c'est juste un bas niveau, mais en vrai pour l'instant ça va, ok? Oula. Et si jamais on a plus d'essence, alors par contre du coup ça a pas du tout l'air d'être Godzilla, ça a juste l'air d'être une tour de l'armée et ça veut dire que. Attends. Vas-y, survole là! Non, 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 attends, tu penses que c'est une bonne idée? Ouais, bien sûr! C'est une bonne idée, hein! Comme ça on va mourir! Non, non, on non, va non. mourir direct! Ah ouais, vous pensez qu'il faut pas qu'on survole? Eh non, allez, allez, recule. Ok, 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 je tourne. Mais là, tu la survoles. Attends, attends, mais survole. Faut que je tourne. Non, 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 je tourne. Attends, mais j'ai du mal à tourner. Allez, on va mourir. Non, c'est bon. J'ai réussi à tourner au bon moment. Attends, par contre, on monte sur la montagne. Ouais, attends, t'inquiète, je monte. Ah, les mecs, pour l'instant, on a toujours pas vu Godzilla, mais en tout cas, la mission, elle est plutôt sympa. Ok, c'est bon. On va passer du coup de l'autre côté. T'as le mal de mer? Mais comment ça se fait dans un hélicoptère? C'est plutôt le mal de l'air. Ok, c'est bon, on vient de passer de l'autre côté. Oh waouh. La conduite est banale. C'est magnifique, hein. Regardez, c'est magnifique. Oh, Godzilla. Oh, c'est beau. Godzilla, il pourrait tellement se cacher par là. C'est trop beau. C'est beau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois là en face? Ouais. C'est le camp des nudistes. Quoi? C'est à gauche. Vous voulez qu'on le survole? Vas-y, comme ça on va voir des gens. Attends, mais c'est des gens tout nus? Bah ouais. Attends, mais non, c'est quoi? Non, non, fais pas ça, y'a ta fille dehors. Ah oui, mince. Attends. T'inquiète. Je survole vite fait. Allez, je tourne. Oula. Non, t'as rien vu, Nora. T'as vu quelque chose? T'as tout vu? Non, elle a tout vu. Non, c'est pas possible. Attendez, ce tunnel là, il mène sous la montagne. Oh. Quel tunnel? Bah là, regarde, y'a un tunnel juste en bas. Non, bon. C'est le train, c'est le train. Pour l'instant, on n'a pas vu Godzilla du tout. Et là, le problème, c'est que le niveau d'essence, il commence à être bas. Le niveau d'essence, il commence à être bas. Ça va en vrai. On va se cracher dans l'eau. Là, on recherche Godzilla. Mais regardez, vraiment, derrière, c'était vraiment magnifique. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de passer sous le pont. Parce que regardez, on va se retrouver du coup. Parce que là, en fait, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il y a dans le canyon, la moitié. On va descendre. Moi, je pense qu'on va s'arrêter une station essence. Ah ouais, tu penses avec l'hélicoptère, on devrait s'arrêter dans une station essence? Ouais. Ah, allez, je suis en train de descendre petit à petit. Et là, on va essayer de passer. Alors, par contre, j'ai vraiment le niveau très bas. Hein. Ok, on va mourir. Ah, c'est sûr. Non, mais non. Accrochez-vous. Eh, vous pensez que. Accrochez-vous, il va pas réussir à atterrir. Non, j'atterris pas là, je passe sous le pont. Non, mais on n'est pas dans un jeu de cascade, on n'est pas sur GTA. Mais attends. On n'est pas dans Harry Potter. Hein. Attends. T'as pas un balai magique là, t'as un hélico. Let's go! Bah non! Attends, c'est du un avion! Oh là là, bon, let's go! Normalement, je fais un petit pareil à l'aéroport de Saint-Dijon là, je fais le plein. Ok, vas-y, parfait. Eh, hey, vous avez vu, je suis passé sous le pont. Oh, regardez, Godzilla, il pourrait tellement être là! Regardez, juste là! Mais il est pas là, malheureusement! Il pourrait tellement être là! Attends, attends! Oh là 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 là, j'ai peur à chaque fois! Et on retourne de nouveau face au camp de 10! Il faut qu'on fasse le tour! On y va! Vous voulez y aller? Non, on est avec Nora. On ira plus tard, quand il n'y aura pas Nora. Oh là là, par contre, on a plus beaucoup d'essence. Il va falloir qu'on se pose. Je pense. À trois, on saute. Non, personne ne saute. On va aller là-bas, on va aller dans la ville là-haut. Et du coup, bon, en vrai, on a quadrillé la zone. On va demander. Oula. J'ai vraiment plus beaucoup d'essence, par contre. Oh, ça commence à être compliqué. Je suis pas sûr que. Oula. C'est la S. Il va falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter, la team. Il va falloir qu'on arrête l'hélicoptère. On n'a pas vu Godzilla dans cette première partie. Ça veut dire que là, on va passer à la deuxième partie. On va loger dans cette ville cette nuit, si j'arrive à atterrir. Et ensuite, on va aller dans la zone de plongée.
Ouais, attends, j'essaie de trouver un endroit. La plage peut-être. Surtout l'arrête pas. Ouais, enfin, la voilà. Plage, tu peux. Je l'arrête. On est en train de ralentir. Là, juste en dessous, c'est pour le carburant. Ok, ouais, c'est une station essence. Mais le truc, c'est que on recherche pas. Attends, on va s'arrêter où là? On va s'arrêter. Attention. Voiture. Allez, voilà, GG, roleplay. Aïe. Oh, c'est bon. Bah alors, ça dit quoi? C'est bon. On a fait pour survivre. Voilà. Bah franchement, c'est magnifique. On a survécu. Eh, maintenant faut qu'on prenne une voiture et qu'on trouve un hôtel. Bon, désolé madame, mais on a des choses plus importantes à faire. On cherche Godzilla, voilà. Allez, c'est bon. Non, arrête. Mais okay, c'est pour qu'elle perde connaissance. Oh, non, mais... Il est complètement fou. Allez, montez à bord. Voilà, on est tous dans la voiture. Et là maintenant on cherche un hôtel. Je sais pas où est-ce qu'est passé Jason. On a complètement perdu Jason. Faites un appel sur le groupe WhatsApp famille. Sur WhatsApp Discord. Ah c'est bon, on l'entend. Allô Jason. En train de demander de l'argent à des gens dans la rue parce que j'ai passé pour faire le plein. Mais attends, mais t'es où frérot? Rentre à la maison si tu t'es perdu. Ok, bon bah écoute, à tout à l'heure peut-être alors. Mais vous êtes où? Bah nous on est à la dernière. On a Paléto. Tu sais là où il y a la diving area, genre là où on va pouvoir faire la plongée. Ah oui, je vois. Là, est-ce que vous voyez un hôtel ici? Moi, je vois pas d'hôtel, hein. C'est quoi ici? Maurice et Sol. Bon, au pire, la team, on va faire une petite ellipse. Le temps de trouver un hôtel. Ah, ici, motel, c'est bon. Let's go. Pas d'ellipse. On va dormir ici. Non, mais de toute façon, on va dormir. Donc, à part si les abonnés veulent nous voir dormir, mais c'est un peu bizarre. Oula, on va dormir. Ouais, voilà, on va dormir tranquillement ici. Et ensuite, on se retrouve demain matin pour faire de la plongée. La plongée dans exactement cette zone-là. Vous allez voir, je pense qu'on peut trouver Godzilla dans cette deuxième partie. C'est le matin, on a bien dormi. Enfin en tout cas moi j'ai très très bien dormi. Juste il y a eu pas mal de fois la police, puisqu'il y avait mon hélicoptère en plein milieu de la route. Je crois que ça les a un petit peu gênés. Ils sont venus toute la nuit. Alors Carla, t'as bien dormi? Oh moi j'ai très bien dormi. Bon bah top, et toi Nora, t'as bien dormi? Oh non. Pourquoi t'as mal dormi? Attendez, ce qui vient de se passer à quelque chose. À cause de la police. À cause de la police. Ah bah ouais, je comprends. Non mais attendez, il vient de se passer quelque chose. Bouba il a écrasé Carla. Non mais c'est quoi ce délire? Bon du coup let's go, on prend ton véhicule et on va trouver les sous-marins. Normalement bah c'est moi qui conduis, c'est pas grave. Normalement de ce que m'a dit Jason, on va y aller en gros, c'est sur le ponton, voilà, juste ici. Ponton. Jason ponton. Il m'a dit qu'il y avait deux sous-marins normalement de 4 places chacun. Donc ça va être plutôt lourd et ensuite on va se voir dans la zone où on doit trouver Godzilla. Les mecs, je vous le rappelle, l'objectif c'est de trouver Godzilla. Et Godzilla apparemment, eh ben, il pourrait être dans ces eaux là, voilà. Si on l'a pas vu sur l'île, c'est qu'il doit être là ou alors il est sorti, je sais pas. En tout cas voilà, Godzilla il est très régulièrement dans l'eau, petite image maintenant. Voilà, il est arrivé notamment vers un ponton là, donc plutôt effrayant. J'espère que ça va pas nous arriver, enfin si, parce qu'en même temps on a envie de le voir, mais il faut pas qu'il nous attaque. Le petit dérapage, hop les. Hop les. Ah, je vais te venir. Accélère. Oh mince. Ah non, pourquoi t'es descendu? Tu vomis? J'ai envie de vomir. Oh non. Attends, oui. Monte. Ok, vas-y. Froid, c'est pas obligé de passer. Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'il y a une voiture ici? Ah, c'est un mec qui a se garé. Ok. Nous, on accélère. Allez. Les petits dérapages. Oula. Tu m'as abandonné, Diabolo. Mais non. Oh, le Range Rover. Bon, je sais pas à qui il était. En tout cas, pas à moi. C'est mien. Quoi? Vraiment? Ah, là, je t'ai volé. Je vais descendre sur la plage, voilà. Comme ça, je vais aller directement au sous-marin. Hop. Voilà, c'est magnifique. Oh, Carla, c'est pas conduire. Voilà, regardez les sous-marins, ils sont là. Let's go, Jason. Hop, je m'arrête. Mais vous êtes là? Ah. Ok, je saute. L'eau, je crois que... Attends, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va essayer de nous voler nos sous-marins ou quoi? Il fait quoi? Ah, c'est bon, j'ai cru qu'il allait... Vas-y, saute. Venez voir, je crois que ma voiture, elle a un petit problème. Regardez, venez voir. Ah toi aussi, t'as mis la voiture à l'eau. Oui, j'ai mis la voiture clairement sous l'eau. Regardez, elle a un petit problème, ma voiture, elle est juste là. Non mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire? Après, remonter à la surface, t'es pas immortel, hein. Oui, c'est vrai. Je vais remonter. Mais t'inquiète, là, regarde, je suis sous l'eau, voilà. C'est bon. Hop, allez. On remonte tranquillement et on va aller au sous-marin. Let's go. Ouais, mais attendez, y'a déjà quelqu'un à l'intérieur du sous-marin. Mais attendez, mais c'est qui? Ouais, c'est moi. C'est qui est à l'intérieur du sous-marin? C'est qui le chef? Tu l'as vraiment mis. Mais j'ai vu Carla aussi à l'intérieur du sous-marin. Ah oui, je suis dedans maintenant. Ok, bah moi je prends le sous-marin avec Nora alors. Nora, t'es au niveau du sous-marin? On a abandonné le nounours. Ok, let's go. Vas-y, je monte. Attends. Non, elles sont récupérer le nounours. Oula. J'ai. C'est bon, je remonte. C'est bon, je suis à bord du sous-marin. Exceptionnel. Ok. Oh, il est vraiment stylé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment stylé. Du coup, là, on doit se rendre ici.
Voilà, donc là on a pas mal de chemin. Je sais pas où est l'autre sous-marin, mais on va aller le voir. Je vais plonger. Oh waouh, c'est magnifique dessous là. Je suis remonté à la surface, mais je crois que on va aller sous l'eau, là. C'est vraiment stylé. Tu veux qu'on aille sous l'eau? Vas-y. Waouh, regardez les coraux et tout. Oh, c'est magnifique. Ouais, hein. Mais tu les casses. Ouais, c'est vrai que le sous-marin, c'est pas ouf. Regardez. Oh, c'est magnifique. Oh waouh. Ok. J'aime beaucoup. Là, regardez, on a des coraux et tout. On va éviter de tous les casser, mais il y en a partout. Waouh, c'est vraiment beau, hein. Oh, j'aime trop, wow. Mais les étoiles de mer, il y a plein de trucs. Waouh. Bon, allez, on rejoint du coup les autres. Je vais remonter le sous-marin à la surface. Voilà, pour éviter de casser tout. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il est en face. C'est un jet ski. On vous rejoint, on arrive. En gros, là, on va rester à la surface pour éviter de... Ah, mais vous venez de plonger sous l'eau, là. Ouais. Ok. Bon, on est là. On est en train de les suivre. Je crois qu'on est plus rapide sous l'eau, effectivement. Oh, waouh. Ah, mais attendez, mais l'eau, elle est vraiment pas profonde ici. C'est ça le problème. Wow. Mais non. Ah non, c'est en pas profond. Vraiment. Oh, il y a des poissons et on se prend. Wow. On a raté tous les coraux. Allez. POV, ne refaites jamais ça. Bon, après, ça m'étonnerait que normalement vous fassiez des balades en sous-marin. Je pense que normalement c'est réservé à ceux qui cherchent Godzilla, quoi. Allez, let's go. Ok, vous arrivez à traverser entre les cailloux? Non, il a du mal, hein. Ah ouais, okay. Franchement. Il aime bien se prendre le sable. Ouais, c'est vrai. Oh waouh, il y a des belles vagues, hein. Des belles vagues. Ah, j'ai une maille de l'air. Ouais, attention, le corail. Hop, c'est bon. Donc là, en gros, la zone de plongée, elle est là-bas. Aïe, vous avez une raie montagne? Mais attends, mais c'est incroyable. Nous, je crois que c'est pas assez profond. Si on plonge là. Ah oui, d'accord. On remonte. Ok, c'est bon. On fait le saut. Ok, là, ça va commencer à être un peu plus profond, je pense. La promenade de santé, hein. Ah ouais, ouais, nous, on va passer du coup à vraiment très loin de la côte. Attention, il y a des requins. Quoi, il y a un requin? C'est effrayant, ça, un peu, les requins. Ok, on est là. Bah oui, mec. On passe vraiment au large. Là. Ouah, c'est quoi ça à gauche? C'était quoi? Non, mais regarde. Ouah, un arbre. What? Mais qu'est-ce que c'est que c'est des... Ouah, c'est profond. Oh, là, ça commence à être profond. Oh, waouh. Ok. Là, ça commence à devenir intéressant, là. Non, des sympas, j'ai peur. Ok, et là, à tout moment, enfin, là, on n'est pas vraiment dans la zone où normalement il y a Godzilla, mais. À tout moment, on peut voir Godzilla. Il y a Godzilla qui perd. Wow, c'est quoi ça? Oh, ça m'a fait flipper le caillou. J'avais l'impression que c'était Godzilla. Je sais pas vous, mais. C'est matrixé. Wow, mais il y a des grosses ombres et tout. Wow, c'est effrayant. À tout moment, on va voir Godzilla. C'est effrayant. Vous êtes dans la zone de plongée? C'est profond? Alors. Ouais, mais c'est quoi le truc? Wesh, il y a une soucoupe. À gauche. Attends, à gauche. Mais non, je vois pas de soucoupe. Si, moi je la vois. Ah non, c'est le sous-marin. Mais non, plus loin là-bas. Attends, vas-y, j'avance. Oui, si, là-bas, viens. Oh, ça, quoi? Il y a une soucoupe? Mais attendez. Bon, on cherche Godzilla, mais là, c'est une soucoupe. Ça m'était énorme. Attends, je vous suis, les mecs. Mais moi, je l'ai pas vu par là. Attends, par où? C'est par où? Moi, c'était derrière que je l'ai vu. Attends, mais c'est pas possible. Je comprends rien. Je la vois même plus. Mais c'est les algues. Mais non, je te jure, il y avait une soucoupe. Une vraie soucoupe volante? Bah oui. Mais what? Là, vous la voyez plus? Non, je vois plus là. Bon, allez, on plonge et on va dans la zone de plongée. Ok, let's go, c'est parti. Ok. On va dans la zone de plongée et on va chercher Godzilla. C'est très profond, hein. Oh là là. Ça fait flipper un peu, hein. Ça fait flipper d'être dans l'eau comme ça. On est au paradis là. Moi, je suis pas très avec à l'aise. La lumière. Hein. Oula, attention, regardez, parce que là, ça remonte un peu. On va prendre des rochers là. Non, ça va, regarde. Attends, là, on va bientôt en prendre, mais là, ça allait. Et pour combien tu sautes? Ok, là on est dans la zone de plongée. Oh, regardez toutes ces énormes algues. Waouh, ok. Vas-y, on est arrivé à bon port. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Mais est-ce que vous voyez Godzilla? Moi personnellement, je le vois pas. Non, enfin la surface. On est dans les algues, faut pas qu'on se croise. Je pense Godzilla qui se noie. Ce serait bizarre. Attendez, il y a quelque chose là-bas, c'est un requin. On va aller voir. C'est quoi? Wesh, il est rapide, hein. Reviens là. J'essaie de le suivre. Attends, Pierre, jette-toi, comme ça tu le fais attirer. Non, sors pas du sous-marin. Faut surtout pas sortir. Attendez, mais c'est un requin? On est en train de suivre quelque chose. Est-ce que c'est Godzilla? Mais oui, c'est un requin. C'est Godzilla ou un requin? C'est pas Godzilla, ça. C'est Godzilla. C'est un tout petit requin? Non, c'est un vrai requin. Bon, on fait demi-tour, on n'arrive pas à le suivre. Ok, donc là, est-ce qu'on voit. Vas-y, nous parle. Quelque chose. Je pense ici, c'est vraiment profond, hein. C'est quoi ça? Je sais pas, je regarde les fonds. Sous-marin. Je regarde les fonds marins, c'est le deuxième sous-marin, ouais. Oh, regarde, il y a un requin devant nous. Oh, what? Et sors, Bouba, sors. Vas-y, sors. Non, sors pas. Je peux pas sortir. Oh, la dinguerie. Ah, mais attendez, mais le requin, il est derrière nous. Il m'en pourchasse.
Mais il nous pourchasse. Allô. C'est quoi ça à gauche là? C'est quoi? C'est des coraux? Pourtant, je suis pas viandarde. On va remonter à la surface, on replonge. Oui, il y a un bateau. Ouais, il y a un bateau, je sais pas ce qu'il fait là. Écoutez, il est pas là. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais il y a plus d'essence. Mais j'ai plus d'essence dans le sous-marin. Ok, je vais te mettre. Laisse-moi la place. Attends, vas-y, mets de l'essence. Attends, je descends. Ok, je suis à l'extérieur du sous-marin, vas-y. J'arrive pas à descendre. Attends, il y a le requin. Ah. Attends. Il y a les requins. Attends, il y a vraiment les requins. Attends, j'ai vu. Je vois un aileron. Carla, je t'ai vu que t'étais dans l'eau aussi. J'arrive. Attends, il y a un aileron. J'ai vu un aileron. Oh là là, je flippe. C'est un fou là, je peux pas sortir. J'ai plongé. Mais non, je veux pas. J'arrive pas. Je suis trop gros. Ok, c'est bon. Bon, de toute façon, en vrai, t'as pas un coup de mille sur toi? On a pas vu Godzilla, par contre il faut que je remonte à la surface, là je vais mourir. Oh, ok, bon, je crois que... on a... Oh les... Y'a un requin. Vas-y, va le chercher. Non, attendez, vite, venez sauver. Oh. Vas-y, on arrive. Y'a un requin. On est en dessous. Ok, attends, je vais... On est à côté de toi, okay, mais... C'est bon. Non, mais... Amenez-moi à la plage. Allez, mais on a plus d'essence. Ok, ça va. On va à la plage, on retourne à la plage. On est à la plage. Je regarde mon portable pour voir quelle heure il est. Regardez juste vos portables. Regardez les news. Vas-y, c'est quoi la ma tontelle? Mais regardez. Mais juste regardez Twitter ou n'importe quoi. Les abonnés, il y a Godzilla qui a été aperçu juste ici. Voilà, à côté de la grosse... On va y aller. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez le requin qui est pensé au sous-marin. Mais c'est quoi ce délire? Bon, les mecs, on se retrouve après une petite ellipse. On va chercher Godzilla, normalement il est juste là, il faut qu'on aille le chercher. Let's go, on va aller chercher, on se retrouve directement dès qu'on est là-bas. On vient d'arriver sur place et je pense vraiment qu'on est au bon endroit. Alors là, les gens doivent pas être au courant de ce qui s'est passé, mais il y a littéralement des voitures explosées partout. Il y a un mec mort juste là. Wow. Et une voiture qui vient d'arriver à toute vitesse avec personne à l'intérieur. Mais attendez, mais c'est la main visible ou quoi à l'intérieur là? Qui était à l'intérieur? Je vois pas. C'est quoi ce délire? Bon, ok, y a Jason qui est juste là. Il a sûrement été détecté. Ok, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, y a tout le monde. Carla, t'es passé où? Je suis devant. Ok, ça marche. Bon bah du coup, let's go. Il faut qu'on trouve Godzilla. Alors, vous pensez qu'il est caché vers où? Moi, je pense derrière cette montagne. Hein. On va y aller? Let's go. Alors, il faut qu'on traverse la route. Traverse comme ça? Ouais. Non, Nora. On traverse pas comme ça. Wow. Oh les conseils pourris du père. Mal. Oh là 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 là, je suis indigne d'être un papa, moi c'est pas possible hein, genre vraiment. Par contre il va falloir qu'on passe. C'est bien pour ça que je suis là hein. Bien vu. Et c'est bien pour ça aussi, je crois qu'on est plus ensemble. Bon allez c'est parti, let's go. On va escalader cette montagne. Allez c'est bon. Oula. Ok, alors du coup là c'est de l'alpinisme. Allez regarde, je vais escalader la montagne. Oh, je galère. Ok, il va nous falloir, je pense, une voiture. Hein. On pourra pas monter par là. Hein. Venez, on va voler une voiture. On va prendre une petite voiture, hop. Oh, ok. Je vais prendre ce camion. Est-ce qu'avec ce camion, vous pensez que je suis capable de monter la montagne? Non, c'est impossible. Mais comment tu veux monter la montagne avec un camion? Là, le SUV qui arrive. C'est comme si tu partais avec un handicap. C'est vrai. Là, il y a un SUV qui arrive. C'est bon, on a notre SUV et on va escalader la montagne. Ok, alors. Regarde, papa. Ouais? Non, lui donne pas cette attention. Allez, ok, j'arrête de lui donner de l'attention. C'est un peu plus de bêtises. Un numéro de cirque. Non, mais arrête! Mais il est fou ce mec. Non, mais il est complètement fou. Hein. Il est fou. Allez, on avance. Let's go. Il y a Godzilla. Regardez ça! Non. C'est Godzilla! Oh là 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 là! Regardez Godzilla! Est-ce que j'y vais? Oui, non, il peut nous manger. Attendez, il nous poursuit. Il est en train de nous poursuivre là. Mais attendez, il est magnifique. Oh là là. Et regardez, c'est le nouveau. C'est celui de 2024. Oh. Regardez les écailles roses qu'il a. Mais attendez, il est en train de nous poursuivre là. Par contre, il est en train de nous poursuivre. Vous êtes dans la voiture encore? Non. Venez dans la voiture. Je crois qu'il y a un problème. Venez. Il est en train de poursuivre. Où est-ce que vous êtes passé? Je vous vois pas. Ah, vous êtes là. Mais vite, monte à bord. Attention. Il va m'écraser. Oh, je fais attention. YOLO. Il manque Nora. Nora, où est-ce que t'es? Elle est avec moi. Ok. Et bah, il va falloir fuir parce que regardez, il est là. Mais attendez, mais c'est une bolt ou quoi, Godzilla? Regardez, il court. Bon, les abonnés, vraiment, ce qui pourrait être exceptionnel. Mais là, par contre, Nora, il faut que... Elle est... T'es sûr qu'elle est dans ta voiture? Bah, elle est avec moi. Ok. Monte à bord. Descends, Nora. Vous avez pas confiance en moi? Monte à bord de la voiture. Ok. Non, on a pas confiance en toi. Non, on a pas confiance en toi. Je sors. Mais en fait, on est venu te chercher chez la police. Ok, je vais le voir de plus proche. Ok. Restez là.
Ok, je me mets au volant au cas où quelque chose se passe. Il est tellement incroyable. Wouah. Il va te manger tout cru là. Ouais, non, mais je fais attention, mais wouah. Je pensais qu'il était tout rouge. Ah, il est en train de poursuivre. Il court. Nora, pourquoi t'es plus dans la voiture? Aïe. Je me suis pris la portière. Ah, je suis bloqué. Attends, ok, je monte. Vas-y, Carla, je te fais confiance. Vas-y, let's go. On fait Godzilla. Ok, ce qui pourrait être incroyable, c'est que je me transforme moi aussi en Godzilla. Je connais des gens qui peuvent le faire. Non, mais attendez, Godzilla est en train de me poursuivre. J'ai pas envie que tu nous bouffes après. Godzilla, il est littéralement en train de nous poursuivre. Non, t'inquiète, je vais pas vous manger. Godzilla nous poursuit. Il est tombé au sol. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Godzilla est tombé au sol. En tout cas, je peux littéralement me transformer en Godzilla. Non, t'inquiète. En gros, je me transformerai en Godzilla, mais ce sera pas définitif. Ce serait juste pour combattre Godzilla. Je peux me transformer en l'ancien Godzilla pour combattre le nouveau Godzilla de 2024. Voilà, si à 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai cette vidéo. Et surtout, on combattra Godzilla. Du coup, c'est-à-dire. Le pauvre fermier. Non, mais t'as rien vu. En tout cas, on va finir sur ce pauvre fermier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères. Oh non! Nora! Ça va? Bon, en tout cas, voilà. C'est la fin pour cet épisode. Bye tout le monde.